Après les aventures de Kirikou, l'épopée d'Azur et Asmar et l'enquête de Dilili à Paris. Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire ? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est, il est trouvé. Découvrez le nouveau film de Michel Oslo. En tout cas, ils s'aiment. Ils s'aiment même si les autres ne veulent pas. Avec des costumes. Des bijoux. Avec une balle rouge. Non, des beignets. Faites-moi goûter. N'importe quoi. J'aime quand les histoires retombent sur leurs pattes. Mais arrêtez! Elle peut pas raconter tout ça! Mais si! Vous me donnez des idées. Et pour plusieurs contes. À travers trois merveilleux contes, découvrez les aventures d'un jeune roi à la conquête de la couronne d'Égypte, d'un beau sauvage qui combat les injustices cachées dans une forêt, et d'une princesse amoureuse d'un vendeur de beignets. C'est quoi le titre ? Le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo